La vie n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens dans cette vie, en fait. Là, le petit bureau, juste en face, vous voyez. Donc, il y a différents. Et là, c'est mon bureau. C'est-à-dire que nous devons adopter une certaine philosophie de vie. Quelle est la philosophie, alors? Quel est le sens que nous voulons donner à notre vie? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation-là? Ce vide, ce sentiment de ne servir à rien, du genre... Nous sommes le 25 décembre et je suis venu travailler un tout petit peu avant de rentrer. Ouais, pour que les choses marchent, il faut bien bosser. Ah, et en passant, j'aimerais juste souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à vous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, de mon côté, ça a été plutôt calme. On a bien mangé, en fait. J'ai bien mangé. Juste prendre un peu d'eau. Donc là, vous pouvez voir, hein, ça sont l'espace de coworking dont je parlais la dernière fois. Ben ici, en fait, ils ont deux bâtiments ici, hein, où je suis. Le bâtiment, je ne sais pas si vous voyez. Avec la caméra, oui, avec le reflet, je crois que ce n'est pas très visible. Il y a un bâtiment juste là, où vraiment là, il y a un espace partagé avec différentes, avec des chaises et des tables. Donc, c'est-à-dire que chacun arrive, il s'installe juste, il a droit au wifi, au café, au thé, tout ce qu'il veut. Et il peut commencer juste à travailler. Et ici, en fait, où je suis, ça, c'est plutôt un espace où ils ont aménagé des bureaux, des petits bureaux. Vous voyez, ça, c'est une sorte d'espace où on peut manger, et tout ça. Donc, vous voyez, hein. Ou par exemple, si tu dois recevoir un client, tu ne peux pas le recevoir vraiment dans ton bureau à toi. Et tu veux un espace un peu plus convivial. Vous pouvez vous asseoir là, vous discuter, vous parler. Ou aussi parfois, je suppose que durant les pauses, ben voilà, il y a tout le monde vient manger par là. On mange et tu peux discuter avec d'autres porteurs de projets. Et ici, ça sont les différentes entreprises. Je ne sais pas si vous voyez là. Ici. Vous voyez les différentes... Les différentes entreprises qui sont situées ici, ben d'autres n'ont pas de logo. Voilà. Donc, Smart, Entreprendre, avec, je ne sais pas si c'est lisible. Là. Donc, moi, normalement, celui-là. Voilà. Voilà une autre. Donc, normalement, dès que j'aurai le logo, et justement, en parlant de ça, je suis en train de penser à un logo. Donc, si quelqu'un a un logo à me proposer, c'est la bienvenue. Et si le logo voilà, me tape à l'œil, on peut discuter. Et puis, bon, je vais rémunérer cette personne, hein, si quelqu'un a des idées, des propositions. Et globalement, sur le logo, ce que je veux, c'est bon, bien sûr la PMO, le nom de la boîte. Et ensuite, la spirale. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo par rapport... au processus de création de la boîte. Hein. À la base, je voulais appeler la boîte Spirale. Parce que Spirale, globalement, ça vient de la philosophie africaine. En fait, globalement, ça me vient de l'idée de Bok Basson. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bok Basson qui parlait du fait que dans la pensée africaine, on considère que tout commence par une spirale. Tout commence par une spirale. Il disait, on n'a qu'à voir les trous noirs. Des trous noirs dans l'espace, dans le cosmos. Les trous noirs, généralement, c'est sous forme de spirale. Quand on voit un enfant dans le ventre de sa mère, la position qu'il a, c'est une forme de spirale. Donc, globalement, et quand on voit des tourbillons, c'est sous forme de spirale. Il disait que dans la pensée africaine, pour lui, la spirale, c'était vraiment le commencement, le début de toute chose, en fait. Et qui, il a développé ça. C'était assez intéressant. Donc, moi, je me suis toujours dit, écoute, quand je créerai mon entreprise, elle s'appellera Spirale. L'idée, c'est d'avoir un groupe. Hein. Donc, l'idée, c'était de que, OK, Spirale Consulting, Spirale ceci, Spirale Imo, Spirale. Mais bon, finalement, quand j'ai choisi Spirale Consulting, mais bon, apparemment, le nom existait déjà. Quelqu'un avait déjà pensé à ça, pas plus que moi. Donc, les bureaux-là, ça sont des entreprises. Ça, donc voilà, chacun a pris un petit bureau, si vous voyez,
en face également. Voilà, je pense qu'en été, ça doit être super cool ici. En été. Là, le petit bureau, juste en face, vous voyez. Donc, il y a différents. Et là, c'est mon bureau. Donc, ce que vous voyez là, c'est encore le nom de l'ancienne entreprise qui était ici, hein, qui était située ici. Donc, comme je l'ai dit, si quelqu'un a une proposition de logo à faire, c'est parfait. Ah, ça, c'est le bureau. C'est cool, je trouve. Assez grand. Pour l'instant, je vais aménager ici. Donc, voilà. Une fois de plus, joyeux Noël à tous. Et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon avec votre famille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, je suis vraiment en train de penser à un logo. Mais bon, je connais un designer, mais bon, je me suis rendu compte que un mélange d'idées, bon, parfois est meilleur que l'idée d'une seule personne. Donc, si quelqu'un a une idée de logo ou peut me proposer un logo et que voilà, et que si je l'adopte, si ça me parle, bien sûr, ben voilà, on s'arrange à ce que je peux le payer et puis, bien sûr, à la mesure, à la hauteur de mes moyens, bien sûr. Donc, si quelqu'un me propose quelque chose d'intéressant et que je l'adopte, ben voilà, on pourra discuter c'est ce qu'il veut comme rémunération et puis voilà, c'est un peu ça quoi. Donc le logo, généralement, ce que je voudrais bien avoir sur le logo, bien sûr, le nom de l'entreprise, Lapi Emo. Ensuite, mentionner, voilà, avoir une sorte de spirale, la forme spirale, je vais dire la forme géométrique spirale sur le logo, et avoir la mention sur le logo de ma philosophie de vie qui se résume en fait globalement, qui repose sur 4 piliers, santé, connaissance, compétence et fun. Donc, prendre ces éléments-là, me faire un logo. J'aime bien le bleu, la couleur bleue, donc voilà, si quelqu'un peut proposer quelque chose et si finalement je l'adopte, ben voilà, on discute par rapport à un prix et puis voilà, je prends possession du logo, je rentre pour utilisation et je prends possession du logo. Donc, en parlant justement de cette philosophie de vie qui est santé, connaissance, compétence, fun, divertissement si vous voulez, fun. J'aimerais juste parler de ça. En fait, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en réalité, quand on est, il n'y a pas, la vie n'a pas de sens. Vous vous êtes déjà posé cette question. C'est quoi le sens de la vie? Où allons-nous? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes même nés, en fait? Voilà, pourquoi nous sommes nés? C'est quoi l'objectif, en fait? Et quand on se pose ce genre de questions, ça peut rapidement, voilà, ça ramène à des questions existentielles. Et on peut se dire, mais ça peut être très troublant. Ça peut être très troublant pour d'autres personnes, pour d'aucuns. Ben voilà, l'objectif de leur vie, c'est, je sais pas, peut-être s'accumuler beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est avoir beaucoup d'enfants. Pour d'autres, ben d'où ma réflexion, c'est en réalité, quand nous naissons, la vie n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens dans cette vie, en fait, pour moi. Et c'est à chacun de nous d'en trouver un. Chacun de nous devons en trouver un sens, nous devons donner un sens à notre vie. C'est chacun qui doit s'asseoir et donner un sens à notre vie. Donc, c'est-à-dire que nous devons adopter une certaine philosophie de vie. Quelle est la philosophie? Alors, quel est le sens que nous voulons donner à notre vie? Il y a des gens qui sont en dépression totale parce qu'ils ont l'impression de ne servir à rien sur cette terre. Ils ont l'impression... Est-ce que vous avez déjà ressenti cela? Avoir l'impression d'être inutile, de ne servir à rien du tout. Vous ne savez pas si vos actions ont de l'impact sur les autres ou pas. Si ce que vous faites, ça aide les autres à progresser ou pas. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation-là? Ce vide, ce sentiment de ne servir à rien. Déjà, pourquoi je suis même sur cette terre, en fait?
Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et moi, comme je le disais, je pense que c'est à chacun de nous, à un moment, de se donner un sens. Et récemment, justement, pour faire un petit parallèle, j'écoutais un audio, un podcast, où il disait qu'en fait, dans la majorité des sociétés occidentales, où les besoins physiologiques ont déjà été satisfaits, où la plupart du temps, la majeure partie des besoins physiologiques sont satisfaits, des gens ont beaucoup plus de problèmes psychologiques actuellement. Parce qu'il disait quelque chose déjà, si nous n'avons pas de problèmes, si nous n'avons plus de problèmes physiologiques, ce sont des problèmes psychologiques qui vont apparaître. Donc, c'est comme s'il disait globalement, plus qu'on a de problèmes physiologiques, comme si on crée nos propres problèmes qui sont dans nos têtes et parfois des problèmes imaginaires qui n'existent même pas. Donc, pour dire que quand quelqu'un a des difficultés à manger au jour le jour, ben, il n'a pas de problème psychologique, il n'a pas de problème tout ce que vous voulez, il n'a pas de problème parce qu'il a une préoccupation, il a un but qui est celui de chercher de quoi manger. Sa survie, il dépend. Donc, on peut se poser la question, donc, avoir faim, ne pas avoir de quoi manger, ça nous donne un but en fait. Le but, c'est celui de... C'est celui de trouver de quoi manger pour rester en vie, pour rester en survie. Et pour ceux qui ont déjà de quoi manger, et pour ceux qui ont déjà satisfait ces besoins-là, enfin, finalement, le but, c'est quoi? On va parler un peu de ça. Et moi, j'aimerais juste chuter dessus en disant que je me rends compte que, en fait, chacun de nous, surtout plus que quand on grandit, parce que quand on est, nous sommes un tout petit peu ignorants, on nous protège, les gens nous donnent une direction, c'est ça aussi. On nous donne, ce sont nos parents qui nous imposent un certain nombre de choses, les adultes qui nous imposent. Et dans le temps, il y a eu une faute également qui nous impose des choses à faire. Donc, nous sommes un peu comme, on va dire un peu, un enfant, on va dire, nous sommes un peu comme irresponsables de notre vie. Donc, nous n'avons pas pleinement la responsabilité de notre vie. Mais quand nous grandissons, quand nous devenons adultes, il y a une certaine responsabilité. On veut donner un sens, une direction à notre vie. Et là viennent toutes les difficultés. Parce qu'il faut trouver un sens à sa vie. Et personne ne peut nous la donner. Personne ne peut vraiment nous donner un sens à notre vie. Il y a dans des temps anciens, quand l'État avec une grosse mainmise, c'est l'État qui disait aux gens quoi faire, généralement quand on était adulte. Quand c'était à une époque où c'était la religion qui avait une grosse mainmise sur la population, où la religion était omniprésente, c'est la religion qui dictait la façon de vivre, qui donnait un sens à la vie des gens. Mais aujourd'hui, nous sommes plus, surtout dans les sociétés occidentales et dans pas mal d'autres sociétés également, nous sommes plus dans un libéralisme où c'est à chacun quelque part, il n'y a plus vraiment une grosse mainmise de la, que ce soit de la religion ou sur comment diriger notre vie. Donc, à un moment, chacun est un peu laissé à lui-même et chacun doit trouver un sens à sa vie, une direction à sa vie. Et d'où, c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai écouté également c'est une philosophe qui parlait du fait que c'est justement parce que il n'y a plus vraiment une sorte d'État ou encore de supra-adulte, comme par exemple l'État ou la religion qui dicte ce qu'il faut faire, que les gens sont un peu laissés à eux-mêmes et ne savent plus quoi faire en fait. D'où émerge ce qu'elle appelait les coachs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les coachs un peu de partout parce que le coach, c'est entre parenthèses, soi-disant coach, sont là pour dire aux gens, faites ceci, faites cela, vous allez atteindre ceci. Parce que quelque part, des gens ont besoin d'une direction dans leur vie. Ils ont besoin d'un sens à leur vie. Et moi, je pense que donc, toute la difficulté est là. Quel est le sens que nous donnons à notre vie? Et moi, après réflexion, j'essaie de tourner les choses dans tous les sens. J'essayais de donner une sorte de ligne directrice, de fil rouge, comme philosophie à ma vie. Elle peut évoluer, mais la ligne rouge que j'ai trouvée, elle est celle-ci. La première, ça se résume en quatre piliers, comme je l'ai dit. La santé, la connaissance, la compétence et le fun, le divertissement. La santé, parce que je me dis, il faut que je fasse attention à ma santé. Parce que peu importe,
ce que nous voulons faire dans cette vie, si nous sommes en mauvaise santé, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes tout à fait, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Si nous sommes en mauvaise santé, ben écoutez, nous restons juste, ça sert à quoi d'avoir des milliards, tout ce que vous voulez, et que vous êtes couché sur un lit d'hôpital? Ça ne sert à rien du tout. Ça sert à quoi d'avoir des enfants si vous êtes incapable de profiter ensemble, parce que vous êtes couché sur un lit d'hôpital? Donc la santé, je pense qu'on ne met pas souvent assez d'accent dessus. J'ai l'impression, en tout cas ça c'est mon sentiment, qu'on ne met pas souvent assez d'accent dessus. Prendre soin de notre santé, faire attention à notre santé, à ce que nous consommons. Ben voilà, nous savons que, on le dit encore et encore, hein, la majeure partie, une grosse part de notre santé, ou le maintien de notre santé est dû à ce que nous mangeons. Voilà. Et aussi, voilà, pratiquer une sorte de, on dit, voilà, pratiquer une sorte d'activité physique régulière et tout ça. Donc la santé, ça pour moi c'est le premier pilier. Ensuite, la connaissance. La connaissance sur nous, sur nous-mêmes et sur le monde. La connaissance sur l'histoire du monde, sur l'histoire de ce qui s'est passé. Et la connaissance sur nous, essayer de nous comprendre comment nous fonctionnons, comment les autres fonctionnent. Avoir cette connaissance-là. Ensuite, la compétence. La compétence, parce que je me dis, ben, il faut bien vivre. Nous sommes dans un monde aujourd'hui capitaliste. Donc, à un moment, nous avons besoin d'une ressource aujourd'hui qui est financière, de l'argent, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous loger, pour pouvoir avoir des vêtements. Donc, pour moi, la compétence, c'est quelque chose que nous possédons, quelque chose de, que, je dirais justement, de pratico-pratique, que les autres sont prêts à payer, à nous rémunérer pour avoir accès à cette compétence. Et en retour, nous pouvons nous nourrir, nous vêtir et ainsi de suite. Et enfin, le fun, le divertissement, s'amuser. Parce qu'au final, à quoi ça sert de travailler dur à avoir une bonne santé, à développer ses connaissances sur soi et sur le monde, à développer ses compétences? Les compétences que nous développons nous améliorent également notre environnement. Parce que quand nous mettons ces compétences à la disposition de la communauté, à la disposition de, comment je dirais-je, de l'espèce humaine globalement, ces compétences-là, ben, globalement, ça va permettre d'améliorer nos conditions de vie, les conditions de vie de tout le monde, et finalement d'améliorer, de mieux vivre ensemble, si on puisse dire ça comme ça. Et ensuite, ben, à quoi ça sert d'avoir justement tout ça, la santé, la connaissance, la compétence, et de ne pas en profiter de temps en temps? Il faut en profiter. De temps en temps, avoir du fun avec ses amis, avec sa famille, sortir, danser, boire un coup, pas boire beaucoup de coups, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent beaucoup de coups. Mais là, si on boit beaucoup de coups, ça va endommager notre santé. Parce qu'à ce moment-là, on comprend très bien que, OK, je peux boire un coup parce que, bon, voilà, ça me met dans une bonne dynamique avec des amis, on discute, mais ne pas trop boire non plus parce que ça va endommager ma santé. Donc, moi, ça, c'est mon fil rouge, ça, c'est un peu comme la philosophie que je me suis donnée, donc de développer grandement mes compétences, ma connaissance sur le monde, de prendre soin de ma santé et avoir du fun, s'amuser avec sa famille. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin-là? C'est comme si vous n'avez pas de sens dans votre vie, comme si vous ne savez pas où vous partez, comme si vous vous sentez un peu inutile. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation-là? Et dites-moi un peu, est-ce que vous également, vous avez une philosophie de vie, une direction, un fil rouge qui, même quand vous vous égarez, vous allez un peu, vous vous éloignez un tout petit peu de ce fil rouge-là, à un moment, puisque vous avez défini cette direction-là, à un moment, vous vous ressaisissez et vous dites, OK, il faut que je revienne sur la ligne droite. C'est un peu ce qui m'arrive avec la santé. J'aime bien pratiquer une activité physique pour rester en bonne forme physique et en bonne santé. Mais ça m'arrive parfois de faire un mois, deux mois sans pratiquer d'activité physique. Mais à un moment, il y a comme une alerte qui se met. Je dis, oh, tu ne peux pas te laisser aller. Tu es en train de dévier de ton fil rouge. Donc, reviens et après, je reprends l'activité physique. Et je sais que c'est une activité qui va être jusqu'à ce que je quitte cette terre. Parce que c'est le fil rouge que je me suis donné. Donc, que j'ai 40 ans, 50, 60 ans, la pratique d'une activité physique, pour moi, est primordiale. Parce que c'est la philosophie, c'est le fil rouge que je me suis donné. C'est le sens que je me suis donné. Donc, dites-moi, est-ce que vous-même, est-ce que vous avez une philosophie de vie?
une philosophie de vie? Est-ce que vous avez une sorte de ligne rouge ou encore de trait directeur? Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Lapiemo. Et encore, je vous souhaite un très bon Noël. Et j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Allez, bye bye.